Alors, on va enchaîner sur un jeu que j'adore vraiment par-dessus tout. Je me suis éclaté à le faire, à jouer. Et merde, je voulais sélectionner les chapitres. Je suis où? Merde, bon, c'est pas grave, on va faire celui-là. C'est le début de Duke Nukem. Duke Nukem Forever, dans un jeu qui a été décrié à mort. Moi, j'adore ce jeu, vraiment, je l'adore. Hein. J'adore. Graphiquement, sur PC, il passe. Hein. C'est pas transcendant, mais il passe. Et puis, l'humour est là. Même si les niveaux sont couloirs, l'humour est là. Le côté macho, tout ça. C'est délirant avec la voix de Daniel Beretta. Enfin, j'adore vraiment ce jeu, quoi. Ça, c'est aussi un des jeux que j'ai terminé à 100% d'ailleurs. Donc là, sur GPD Win, il tourne vachement bien. Ah, attention, je précise parce que là, je suis en train de discuter avec un gars sur YouTube qui lui a que des problèmes avec sa GPD Win. Donc, je préfère vous dire, voilà, moi, je suis tombé sur une console qui tourne plutôt bien. J'ai peut-être de la chance. Voilà, lui, il a fait partie du financement participatif en Kickstarter. Et il a pas du tout eu de chance quoi, c'est vraiment. Je vais vous dire là, je vais vous dire d'ailleurs qui c'est. Si vous voulez voir sa vidéo, il était assez énervé. Vous cherchez High Tech Magazine avec un arrobase au deuxième A. ZIN. High Tech Magazine. Voilà, je lui fais un peu de pub. Non, parce que ouais, il était vraiment pas content de la console. A priori, il a chopé une console de merde. Et il y en a beaucoup qui ont des soucis. Donc voilà. C'est un peu la roue. Ça a l'air d'être un peu la roulette aussi, quoi. Sinon, bah, si, quand ça marche bien en tout cas là, sur Duke Nukem Forever, oh des gros seins, des gros seins, oh les gros seins, les gros seins. Donc, Duke Nukem Forever, je tourne. Alors là, graphiquement, je crois que j'ai quand même baissé. J'ai mis moyen, hein, parce que quand j'étais au maximum, je crois qu'en élevé, ça ramouille. Je vais remettre tout ça, je me rappelle plus en fait. Ouais, je suis à 80 FPS, mais là, non, 20 FPS. Ouais, je suis tombé de 35 à 20. 25. Là, je suis à fond. Et là, franchement, vous prenez pas la tête, vous mettez pas à fond, hein. Merde. Je fais n'importe quoi. Déjà, la synchro verticale, je la désactive. Et je désactive tout ça. Et ça va très bien. Et là, je suis à 100 FPS, 35. Voilà. Et là, c'est quand même vachement fluide. Ah bah ouais. Bernard Henry. C'est plein de clichés, c'est génial. Alors. Donc, voilà. Je peux pas faire autre chose, je suis désolé, je ne peux pas faire autre chose. Je rigole tout seul à faire de la merde. Allez, c'est bon, ça suffit. Merci, monsieur Nukem. Et non, c'est annulé. Ta gueule. Ah, merci, Duke. Ce mec était un sacré casse-couille. Les aliens sont revenus! Fuyez! Là, ça commence à partir, vous voyez. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas une suite. Voilà, je sais pas. Même si à Gearbox, ils ont pas super assuré sur plein de trucs. Parce que de toute façon, Gearbox, moi, je suis vraiment pas très très fan de leur politique. Mais Duke Nukem Forever, je trouve qu'il a quand même un certain charme. Là, je suis à combien? Je suis à 50 FPS. Oh, je fatigue un peu, désolé.
Et si ce que je vais faire, je vais quitter campagne, choix du chapitre. On va se mettre à Vegas en ruine, on va se mettre en c'est parti. Bon, après, ça va être avec la manette, donc forcément, le skill sera pas au top. J'ai hâte de leur Il dialogue. défoncer le fion. Ah ouais! On vous a apporté votre belle armure verte. Vous Bien. voulez? Les Allô? armures, c'est pour les Tarlouses. Vous préférez une arme? Merde, je me rappelle plus où il faut aller. Là. Bon, les boutons L3 et R3, ils sont vraiment toujours aussi mal placés, hein, c'est débile. De toute façon, ils sont un peu, ouais, c'est un peu débilos. Surchauffe. Ça tourne super bien, j'ai rien d'autre à dire, hein. Là voilà, ça tourne hyper hyper bien. Donc Knock'em Forever, c'est pas un jeu qui est très gourmand parce qu'il n'est pas quand même très beau, hein. Il n'est pas très fouillé, mais il tourne vachement bien. Allez, je coupe et j'enchaîne sur un autre jeu.